Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La misère et le désespoir. Paris, une ville mûre. Pour la révolution. Rognon de bonne, très ramassé dans les ordures des riches, et vos rognons, et vos rognons, les rats, et je l'irai crever, mangez-moi, parfait pour les rats goudras, pour la soupe de rats, et pour le pâte du drap, et n'oubliez pas la célèbre ratatouille. Rien! Je n'ai plus rien, tous les riens qui me restaient ont été vendus. Ah là, c'est pas grand-chose. Du rap, mangez du rap, je veux le ratatouille de rap. La charité, mon bon monsieur, je meurs de faim. Si tu peux pas ton chemin, pas ton chemin, vermine, ne me touche pas. Pitié du pain, n'importe quoi, rien, aidez-moi, aidez-moi. Tes mains, je vais me tailler, à mon ligot. Pitié. Pitié, tu prends de l'argent, je meurs de faim, et c'est curieux, c'est con. Regarde, regarde, là où on en est arrivé. Au contraire, je les ai payés, n'oubliez pas, ils sont à moi.
Ne fais pas ton cachot, Béarnaise. Vieux con. Vous devriez laisser tomber votre taille. J'ai horreur de vos manchettes, j'ai horreur de vos manchettes, j'ai horreur. Les manchettes de l'homme doivent être au même niveau qu'elles sont unies. Le vôtre descend plus bas qu'un roubignol. Vous reconnaissez donc que j'en ai. Oh, salaud. Le roi fait une partie d'échecs. Les échecs? J'ai horreur des échecs. Qui ressemble-t-il? On ne sait pas. Qui est cette fille?
Et maintenant du vent. Merci. Je la repêcherai plus tard. Ah, je me sens beaucoup mieux. On relève la reine. Donne-moi un peu d'air. Elle était si coopérative. Votre Majesté, il faut que je vous parle. Compte de mes deux. Donnez. Ne me rectifiez pas, qui a dit. Veuillez m'excuser, Votre Majesté. Il s'agit évidemment d'une affaire urgente. Oui. Dit ici, là, que le peuple se révolterait. Je trouve révoltant qu'on se révolte. Non, Votre Majesté, je vous assure que la situation est extrêmement grave. Les paysans disent que vous n'avez aucun égard pour eux. Quoi? Je n'ai pas d'égard pour les paysans. Ils sont mon peuple, et moi je suis leur souverain. Je les aime. Poule! Un peu trop à gauche. Mais Votre Majesté, la situation se détériore. Les paysans peuvent devenir violents. Violents. Dieu, je hais la violence. S'il y a une chose que je déteste, c'est la violence. J'aborde la violence. Poule! Tombé comme une pierre. Mais Votre Majesté, dans le cas bien improbable, certes, mais non impossible d'une révolution, ne serait-il pas plus prudent que vous quittassiez Paris pour une semaine ou deux? Évidemment, ce serait sage. Mais qui occuperait mon trône durant mon absence? Nous trouverons une doublure qui pourra vous remplacer. Ah, une doublure en code d'avure. C'est génial. Ça me plaît. Ah, dites-moi, mon ami, où trouverez-vous un gentilhomme assez beau pour me remplacer? Bien sûr, c'est ça. Votre Majesté, vous ressemblez au valet-pisse du palais. Et vous, un gros tas de merde puante. Non, vous venez pas, Votre Majesté. C'est un don de Dieu, sire, il ne lui manque qu'un grain de beauté et la moustache. Mais oui, une doublure sacrebleu. Vous avez raison, je ressemble au valet-pisse, ma parole. Entendu, au premier signe de rébellion. Il sera le roi. Allez, à vos ordres, sire. La guet. Votre Majesté. Ça vaut le coup d'être là. Voilà une jolie coupe qui me fait signe. Votre Majesté. Comment te sens-tu, Marie? Parce que vous êtes coquin. Ça vaut le coup d'être là. Votre Majesté, pourrais-je vous dire un mot? Oh, une petite prise? Non, merci. Anti-tabac, hein? Et bien sans l'esprit pour les autres. Qui es-tu? Votre Majesté, je suis Mademoiselle Rimbaud. Oh, un nom poétique. Que puis-je faire pour toi, mon enfant? Votre Majesté, mon père, Monsieur Rimbaud, est depuis 10 ans enfermé à la Bastille. Et il risque d'y mourir bientôt si on n'en sort pas. Oh, je m'en remets à votre bon plaisir. Majesté, libérez-le, je vous en prie. Pourquoi l'a-t-on mis à la Bastille? Il a dit quelque chose à l'heure de vos soupers et quelqu'un l'a entendu. Mais qu'a-t-il dit? Il a dit, les pauvres sont des gens bien. Pouillez, fuissé! Que les pauvres sont des gens bien? Il a de la chance d'être encore en vie. S'il vous plaît, votre Majesté, ne laissez pas mourir. Si vous me le rendez, je ferai n'importe quoi, je vous le jure. N'importe quoi? Votre Majesté, j'ai passé ma jeunesse dans un couvent et j'ai renoncé au plaisir de la chair. Si tu ne fais rien pour moi, je ne fais rien pour lui. Mais Votre Majesté, c'est un péché, je ne peux pas le faire. Alors, allons donc, mais si tu le peux, tout le monde le fait. Tu peux toi aussi le faire. Nous aimons tous le faire. Tu le feras. Non, c'est pas ça. Tu as envie de le faire. Moi, je l'ai fait et j'adore le faire. Je l'ai fait et je suis tout prêt à le refaire. Ne me dis pas que tu ne peux pas. Alors donc, où tu le fais, où ton père est refait. Où tu y passes, où il te passe. Vous avez dit, vous lui faites grâce? Non, pas de grâce. Où tu y passes, où il te passe. Tu as 10 secondes, pas une de plus pour te décider. Où tu y passes, où il te passe. Où tu y passes, où il te passe. Passe, très passe, passe, très passe, passe. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Réponds, passe, très passe, passe. Non, j'y passe. Je me réjouis que tu sois décidé si vite. Bon, dans ma chambre, à minuit. À tout à l'heure. J'oubliais. Surtout pas de dessous. Trop compliqué. Ça vaut le coup d'être le roi.
minuit. Alors faites-moi pas de folie,
le micro, t'exagères. Une petite parodie, j'espère qu'elle vous a plu, historique concernant la révolution. Voilà, il fallait bien marquer le coup parce que attendre le tricentenaire, ça faisait un peu loin. On va réserver le tricentenaire pour nos enfants, voire nos petits-enfants, pour ceux qui en ont. Voilà. Nous ne sommes pas des professionnels, mais des amateurs. Nous avons travaillé quelques week-ends. Tout le monde a mis la main à la pâte. Je vais vous les présenter un par un. Il y avait, on participe à ce spectacle. Et voilà, je me trompais encore une fois. Karine. Valérie. Madame Auger dit Stéphanie, voilà. Valérie, Fabienne, Anna, Nathalie, attention ma chérie, Evelyne, voilà du côté des jeunes filles, côté des garçons, il y a Laurent, Loïc, David, Valérie, essayez de vous reculer un tout petit peu parce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien peut-être vous voir, reculez-vous un tout petit peu quand même, voilà. On continue avec Thierry, Romain, Fabrice, Patrick, Frédéric, Jean-Claude, Jean-Noël, Jean-Noël qui a mis les pieds sur scène pour la première fois, voilà, je pense qu'il reparticipe à un nouveau spectacle. Voilà, on se recule quand même, on se met tous en front, côte à côte. Également, on participe à ce spectacle, il y avait deux maquilleuses, vous voyez quand même, mais qui nous ont aidés à nous habiller et nous maquiller. C'est Sabine et Valérie, vous pouvez nous rejoindre également. Voilà, Valérie du salon de coiffure Huguette et Jean-Guy. Et Sabine du magasin de cuir Queen Galerie de Continent. Il y avait également à la caméra vidéo, parce que nous ne voyons jamais les spectacles, nous aimons bien toujours se revoir après, c'est Richard à la vidéo. La personne qui a lancé lorsque le roi joue Baltrap, qui va nous faire un grand salut, c'est Anthony, voilà au premier étage, qui a lancé les mannequins. Personne, parce que chaque fois j'en oublie. Comment? Le roi? Non, si, je n'oublie pas. Celui qui a composé, qui a fait tous les enchaînements, qui a préparé la cassette vidéo, qui a discuté tous les rôles, c'est Dominique, votre disque jockey. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous réserviez une ovation pour le metteur en scène, celui qui a conçu, pensé, réalisé ce spectacle. J'oubliais quand même le final de la Carmagnole. Eh bien, c'est Sandra, notre chorégraphe Sandra, qui vient nous rejoindre quand même. Voilà. Je savais que j'oubliais toujours quelqu'un. Voilà, je pense qu'on aura le plaisir de retrouver Sandra un petit peu plus tard pour d'autres chorégraphies. Nos prochaines soirées, bien sûr, le premier dimanche du mois d'août, là, il faut venir également déguisé. Entre parenthèses, je remercie tous ceux qui ont joué le jeu de venir, ne serait-ce qu'avec un petit nœud papillon bleu, blanc, rouge, etc. Début août, donc, une soirée plage, voilà. Le 14 août, lundi soir, ouverture exceptionnelle avec une soirée mexicaine de la tequila et plein de cadeaux tequila à gagner. Et début septembre, bien sûr, un show cabaret présenté et animé avec des clients, voilà. Hein, c'est ça, voilà. Donc, s'il y a des personnes qui ont des suggestions au niveau cabaret, vous venez me voir, vous me laissez reposer une quinzaine de jours en juillet, parce que j'en ai besoin, ainsi que toute l'équipe. Et puis vers le fin juillet, on attaquera des répétitions pour un cabaret septembre. Je vous demande d'applaudir une dernière fois toute cette équipe qui voilà. Va préparer ce spectacle. Merci.
à vous également, chers amis, voilà, d'être toujours fidèles à nos spectacles. On vous demande quelques petits instants, ne serait-ce que de dégager toute la scène. Vous êtes invités, j'ai bien dit tout le monde, à venir sur la piste dès qu'elle est libre. Et tout de suite après, au-dessus de nos yeux, il y a exactement 600 ballons. 200 bleus, 200 bleus, 200 blancs, 1, 2, 3, et 200 rouges, voilà. 600 ballons vont tomber sur vos têtes, ça va être la fête en compagnie de Dominique. Merci, à tout à l'heure. Thank you.
Valeu!